Bonjour frères et sœurs, nous sommes donc aujourd'hui le jeudi 23 avril et comme je vous l'ai dit nous poursuivons de façon cohérente par rapport au texte des actes même si ce n'est pas tout à fait en conformité avec ce qui est prévu dans le calendrier liturgique mais je voudrais profiter précisément de ce que nous avons un peu de liberté. Nous ne sommes pas tenus à, à, une, à une, une, un ordonnancement des textes absolument radical pendant ce temps de confinement, n'est-ce pas Et vous avez la Bible sous la main à la maison. Donc, nous allons continuer ce très bel ensemble euh, du tableau de la communauté primitive de Jérusalem et notamment ce passage du chapitre des Actes euh, chapitre 5 et qui va du verset 17 au verset 30 euh, euh, au verset euh, 17 à 26. Alors de quoi de quoi on parle dans cette histoire Eh bien, on a déjà eu, dans les deux chapitres précédents, on a eu une présentation. De la première mission des apôtres, c'était Pierre et Jean qui guérissent un estropié dans le temple et qui se mettent à prêcher et qui ont donc les premiers démêlés avec le Sanhédrin, donc ou plus exactement avec la famille du grand prêtre. Donc c'est plutôt des autorités politico-religieuses très conservatrices, n'est-ce pas Et ils s'en sont bien sortis puisque finalement on les a relâchés. Mais comme je vous le disais, c'est la loi de l'Homère. « Vous pouvez repartir, nous sommes d'accord qu'il peut y avoir des résurrections, ou la résurrection de Jésus ne va pas chipoter là-dessus, mais il ne faut pas en parler. » Alors évidemment, c'est une sorte d'habileté de, de la part de, de Luc que de nous présenter les choses ainsi. C'est-à-dire que le, le débat ne porte pas sur la réalité, finalement, les sadducéens qui ne croient pas à la résurrection disent, bon, ben, si vous voulez y croire, vous pouvez y croire, mais ça porte sur l'ordre public, c'est-à-dire, il ne faut pas en parler. Comme je vous le disais, c'est euh, pratiquement euh, inchangé depuis cette époque-là, c'est-à-dire que euh, la... Le, le, le nouveau carcan des sociétés modernes, c'est l'information, n'est-ce pas C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pense, l'information, la plupart du temps, ne nous libère pas, elle nous dit ce qu'il faut penser. Donc, c'est d'ailleurs terrible comme nom, information, ça veut dire que ça nous formate, n'est-ce pas C'est du formatage. Enfin, c'est un peu lamentable, mais bon, c'est comme ça. À nous de garder notre indépendance et notre liberté. Alors, donc... Il, il, ils n'obéissent pas, évidemment. Et ils rentrent, et à ce moment-là, ils sont confortés par toute la communauté, et ils recommencent. Donc là, vous imaginez, du point de vue euh, juridique, euh, il y a récidive. C'est-à-dire qu'ils repartent euh, au, au temple, et alors là, c'est pas les deux apôtres, Pierre et Jean, mais c'est les apôtres qui sont requinqués, si je puis dire, par un petit événement qui est comme une sorte de pentecôte, qui les, <coughs> qui les redynamise, et... <coughs> <coughs> Ils repartent au temple et là, euh, ils prêchent. Alors, évidemment, à ce moment-là, ça devient quand même un tout petit peu. Ben bah oui, c'est comme aujourd'hui quand on est en récidive, sauf que là, à la deuxième récidive, on, on est plus embêté qu'à la quinzième. Et donc, euh, ils, euh, les sadducéens portent immédiatement la main sur les apôtres qui sont en train de prêcher dans le temple. Ils sont sûrs de leur coup, puisque précisément, ils désobéissent formellement à ce qu'on leur a donné de de leur ordonner de faire, c'est-à-dire de se taire. Alors, à ce moment-là, évidemment, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, il va falloir une réunion plus conséquente. Donc, on, on les met en, en prison, en cabane, n'est-ce pas Et là, euh, eh bien, ils vont y passer la nuit. Alors, vous me direz, mais il se répète, le brave Luc. Eh bien, vous allez voir, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est pour ça que je vous ai mis ce, cette magnifique petite estampe du 18e siècle, 1710. Elle est française. Hein? Et donc, c'est une estampe, donc, euh, c'est un papier bleu, un papier bleuté. Et puis dessus, euh, c'est d'abord des traits de plume en noir, de l'ombre du fusain. Et puis surtout, il y a cette magnifique euh, illumination par euh, le blanc de la craie. Et on voit donc ici non pas l'ange qui libère les douze apôtres, mais en, le principal, sans doute Pierre, et euh, ce, ce, ce cette scène telle que l'a décrit cet auteur français, hein, c'est 1710, c'est en France. Euh, ce, ce peintre, ce, ce, ce dessinateur, ce dessinateur d'estampes a un coup de génie. Pourquoi Parce que précisément, il montre pourquoi il faut, si je puis dire, que les apôtres soient délivrés par un ange. La première fois, vous remarquerez au début du chapitre 3, ils ne sont, sont pas délivrés par un ange. Ce n'est pas miraculeux. On les retrouve le lendemain comme ils étaient la veille. Tandis qu'ici, sans que personne ne comprenne rien, car il n'y a aucun détail sur la libération, on nous dit simplement l'ange vient et les délivre. Et alors, ici, c'est extraordinaire, car l'ange les délivre pour leur dire il faut que vous désobéissiez aux autorités des Sadducéens. C'est quand même assez paradoxal, quoi. Je veux dire, les anges qui prennent parti contre les Sadducéens en disant aux apôtres, non, non, non allez-y, allez au temple et enseignez. Alors, évidemment, là, c'est plus possible, c'est plus acceptable, mais euh, les les Sadduceurs, quand préparer leur réunion. Enfin, c'est des hommes de bureau, les saducéens, hein, c'est comme, comme l'entourage du président de la République. Ils pensent tout en, en bureaucrate, n'est-ce pas Eh bien, euh, les, les apôtres, eux, ils commencent à, à discuter, et puis, pendant ce temps-là, la réunion s'organise, et euh, fait entrer l'accusé, et on, on va le chercher, il n'y a pas d'accusé. Et, 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 la prison est vide. Donc, personne ne s'est aperçu de rien. Et cependant, les apôtres ont été libérés, puisqu'ils annoncent alors, quel est le but de l'affaire Eh bien, je dirais qu'il est parfaitement évoqué par le, le, le dessin que vous voyez. De quoi s'agit-il En fait, prêcher, c'est donner à la parole de Dieu, à la parole du salut, l'espace et la liberté d'aller et venir qui caractérise tout citoyen libre. Donc, euh, c'est une méditation. Extrêmement profonde et étonnante sur ce qu'est euh, à cette époque-là la conception de la parole. Ce mythe, si je puis dire, parce que c'est ça, revient dans pratiquement toutes les religions. Ce mythe du fondateur de religion qui est libéré de prison, que ce soit Bacchus, que ce soit des dieux égyptiens, etc., c'est un mythe presque fondateur de la plupart des religions antiques, c'est-à-dire. Euh, les religions antiques on n'innove pas dans l'antiquité hein, donc quand on dit des choses nouvelles on est suspect n'est-ce pas et donc quand on veut dire que euh, une religion euh, celle que vous voudrez peut s'imposer dans le monde antique, on dit pourquoi ben C'est parce que dès le départ, il y a eu des anges, des, 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 des figures célestes qui ont libéré le fondateur pour aller annoncer. Et c'est exactement ça qui est en cause. Et donc, on est là, et c'est pour ça que je trouve ce, cette idée du, de celui qui a dessiné l'estampe aussi extraordinaire, c'est que, en fait, ceux qui ont assisté à la conférence que j'avais donnée sur le problème euh, à des, de, de, de l'espace, du, du paradis comme espace, et euh, donc, quand on est devant cette situation, il y a l'espace terrestre, dans lequel chaque autorité, chaque pouvoir exerce sa maîtrise. Et donc, les Sadducéens considèrent qu'ils ont maîtrise, non seulement sur le Temple, ça c'est nécessaire, mais qu'ils doivent empêcher les apôtres d'avoir une maîtrise sur le, euh, sur l'espace du temple. Ils ne peuvent pas prêcher. C'est ça que veut dire l'interdiction de prêcher. La parole n'a pas libre cours au temple. C'est quand même assez extraordinaire. Je veux dire, on ne peut pas dire que ce soit une position ultra libérale. Hein. Et, et donc, à ce moment-là, si la parole n'a pas autorité, à ce moment-là, euh, donc elle est bloquée. Elle, elle, elle ne peut pas s'imposer. Or, là précisément, c'est ça que veut dire ce récit de la libération mystérieuse des apôtres par l'ange. Peu importe, j'allais dire, la manière dont c'est décrit ça, j'allais dire, c'est avec les outils de l'époque. Mais c'est de dire, on les a mis en prison, c'est-à-dire dans le non-espace, dans le hors-espace de la vie courante du peuple juif et surtout du temple. Et maintenant, l'ange, c'est la parole de Dieu, c'est l'acte de Dieu qui sauve, prend possession même de l'espace où on les a relégués, c'est-à-dire la prison, celui dans lequel on croit qu'on tient les apôtres, et c'est lui qui vient. Et alors, c'est précisément ce que évoque, je ne sais pas si vous le sentez en regardant cette magnifique estampe, c'est le chevauchement de la craie sur le fond bleu du papier. Le fond bleu du papier, c'est le, le monde humain. C'est le monde du pouvoir, c'est le monde des pharisiens, des, des sadducéens, pardon, les pharisiens ne, ne, ne tremblent pas trop dans cette affaire. Et, et en même temps, le blanc, c'est la puissance divine, c'est euh, l'ange de Dieu, et qui euh, vient reprendre possession de celui qui apparemment a été privé de toute possibilité de liberté de parole, pour le réinstaurer dans la liberté de parole. Et c'est pour ça que ben c'est ça le miracle, en, en réalité, c'est que, en fait... Il, il a réussi à passer toute porte-close, comme le Christ au moment de, de ses apparitions. C'est l'emprise petit à petit sur le même espace ce même papier bleu si je puis dire l'espace de notre vie de notre vie courante c'est l'emprise de l'ange du seigneur c'est à dire de la liberté de la parole sur la manière dont les hommes croyaient pouvoir s'attribuer le pouvoir sur l'espace à enfin, fois ça. C'est c'est pour ça que je tenais absolument à vous commenter ce, ce passage parce que c'est vraiment euh, c'est d'une actualité étonnante c'est à dire que euh, la parole de dieu aujourd'hui elle est comme comme c'est de craie qui, qui viennent illuminer à la fois le personnage de Pierre et curieusement le bras, n'est-ce pas? Le bras plus que le visage encore, c'est-à-dire le bras, c'est ce qui sert à garder l'équilibre quand on marche, quand on veut avancer. Donc, c'est et, et qui lui dit, et eh ben voilà, tu pars, tu, tu vas au temple et tu annonces, et eh bien, frères et sœurs, euh, c'est ça le, le, la, la, la situation des de, 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 de communautés chrétiennes aujourd'hui, et c'est pas c'est Dieu, c'est l'ange du ciel qui veut aider les fidèles à trouver ce véritable espace, ce véritable, cette véritable liberté dans l'espace de ce monde pour que soit annoncé le salut. Eh bien, nous allons essayer ensuite de voir, parce que ça c'est bien, ça c'est le projet de Dieu, mais comment les hommes vont-ils euh, faire à la fois pour s'y opposer et cependant pour laisser. Euh, poindre une aurore d'un nouveau pouvoir sur le monde, symbolisé précisément ici par le problème, le dessin de la craie sur le papier bleu. Alors je vous souhaite une très bonne journée. Le papier bleu aujourd'hui, c'est le ciel. Eh bien profitez-en et nous allons approfondir tout ça demain.